regarde, tu vois, c'est ça que je comprends pas. Quand Ronaldinho, il faisait des gestes techniques de malade mental, les gens. Non, non, je t'explique, Ronaldinho, wow. Non, ça compte pas, ouais. La balle, elle est restée sur ton cul. Oh. Je peux pas jouer au Panama, mais je vais te mettre un petit point. Bon, quoi qu'il arrive, je vais te mettre un petit point. Salut YouTube, bon, c'est Coach, ça va ou quoi? Voilà, aujourd'hui je vous ai dit, un guest vient à Dubaï, je l'accueille, je le défie aujourd'hui, on a, présente-toi. Junior TV, voilà, je fais des vidéos sur YouTube, tu connais, wesh? Tout le monde le connaît, Junior TV. Eh, hey, le mec il sait tout faire. Franchement, je suis trop chaud. Vas-y, vas-y, étale-nous tes qualités là. Mais gros, j'ai fait 10 ans de foot. C'est-à-dire que voilà, contrôle de balle, on est là, conduite de balle, direct, technique, tu connais, wesh? Moi j'ai cru aller dire comédie, musique. Et là, tu veux dire sur le foot? On parle de foot là, direct. On parle de foot, donc on va le tester aujourd'hui. Écoutez, c'est simple. Moi, vous savez, ton scène, il est blessé. Mais ce que je vais faire, on va mettre Junior TV à l'épreuve. Je vais lui présenter un petit geste technique. Il va essayer de le refaire. Okay. Et ensuite, on va faire un 2-touch challenge. C'est parti. Ok Junior, premier geste, tout le monde maintenant. Est-ce que je vais pouvoir faire le geste même déjà? Voilà, tour du monde. Wesh, plus il arrive à faire tour du monde. Tour du monde avec la botte. J'ai combien de chance? Allez, t'as 3 essais. Je précise que moi, tu vois, au foot, j'ai été milieu def, milieu défensif, défenseur central. Genre, ouais. J'ai remarqué que les gens qui ont pas confiance en leur technique, directement ils donnent leur poste. En fait, mais j'arrive à dire, mais on n'est pas sur un terrain de foot. Et ma pas au milieu des feux. Elle est pas récupérée. Putain, le bâtard il l'a fait avec une assurance de ouf normal. Eh, à quel moment il a dit qu'il fallait la récupérer? Attends, ça change les règles. C'est quoi ça? Et il veut pas jongler avant. Pourquoi t'as rajouté règle? Attends, mais tu jongles. Tu jongles. Ok, regarde, ça fait la rêver. La balle part partout. Regardez, il y a bon grand jonglant. Ok. Oh là 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 là. Normal, easy, ouais. Il rajoute des règles, c'est un mauvais jour. Il a eu chaud. J'ai réussi à lui mettre une pression psychologique. Ok. Bon, vas-y, on va passer au deuxième geste. Deuxième geste, les gars, très simple. T'envoies la balle en l'air. Aïe. Il a fait comme as. Mais ouais, j'ai jamais réussi à le faire, toi. Okay. En fait, moi, j'apprends que les trucs qui sont utiles sur un terrain de foot, tu vois. Ouais, j'avoue que c'est pas utile sur un terrain de foot. Mais dis la vérité, si un jour un mec qui fait ça dans un terrain, ça fait le tour du monde ou pas? Mais bon, voilà. Mais c'est stylé, regarde, tu vois, c'est ça que je comprends pas. Quand Ronaldinho il faisait des gestes techniques de malade mental, les gens. Non, je t'explique, Ronaldinho. Wow. Non. La passe du dos par exemple, la passe du dos il aurait pu faire une passe de la tête. Mais ça c'était utile, frérot. Non, mais c'est parce qu'elle a marché. En fait, regarde, Ronaldinho lui, tout ce qu'il fait ça sert à quelque chose. Mais non, c'est basé sur le flow. Tous les flip-up ça sert à quelque chose. C'est basé sur le flow. Il s'arrête pas, il se met à jongler. Écoutez, sur la chaîne, vous m'avez demandé des tutoriels. Donc, je vais vous expliquer exactement comment on fait et on va servir de jeu. Ok, pas mal. Ok, pas mal. Je vous redonne les steps vite fait. 1, tu plies les jambes. 2, tu mets les fesses en arrière. 3, tu te baisses en gardant le dos droit. Et 4, tu regardes devant toi en clignant tes coudes. Pas trop, voilà. Voilà. Oh! Ah, ma vie, j'ai réussi, c'est bon. Non, ça compte pas, wesh. Wesh, ça compte. Là-bas, elle est restée sur ton cul. Tu m'as rien dit par rapport à ça. Eh, hey, le mec il veut tout pour gagner, c'est la gagne. Faut l'aller sur le dos ou pas? Je savais pas qu'il était un compétiteur comme ça. Je remonte dernière fois, tu te sens. Ça a pas fini parce qu'il y a rien de durer. Ah, parce qu'il avait pas vu ça. Je baisse trop. Voilà, reviens la tête. Ton, il est bon, il a réussi. Les gars, magnifique. Super, on est bon sur ça. Il y a rien de compliqué en vrai. Ça raconte trop, c'était dans la technique. J'ai essayé de lui mettre un petit pont. On va passer au challenge, vous savez quoi? Je suis blessé, mais on va faire un 2-touch challenge, je vous montre comment ça se passe. Ok les gars, le 2-touch challenge est très simple. Regardez, j'ai mis une chaise juste là, on va être face à face et on a 2 touches à faire à chaque fois avant de renvoyer la balle en l'air. On ne doit pas faire tomber la balle, celui qui l'a fait tomber perd le point. 3 points, Junior, t'es prêt? Ah oui, moi je suis prêt. Allez, let's go. Ah, dommage! Le mec il m'a appelé. 1-0. Gauche,
gars, un partout. Il est vraiment trop nul. Là tu vois, en fait, je suis gentil, tu vois. Mais là il le sait pas en fait. Mais là maintenant je vais jouer sérieux, vous allez voir. Oh là là, il a dégagé. Il a dégagé. Moi je suis un footballeur, moi j'ai que les choses simples. Hé, hey, contrôle passe, wesh frérot. 2-1, 2-1. C'est parce que je suis gentil là, t'es blessé, wesh. Contrôle, ouais, c'est pas de ma faute, frérot. Le contrôle était mauvais, mauvais. C'est ça qui a fait perdre la balle. Mais t'inquiète, c'est quoi, je suis gentil, on la refait. Je vais tout le temps mettre un petit pont. Son rêve à Junior TV, c'est de mettre un petit pont. Vous savez quoi, un jour on était à un événement, on se connaissait pas trop encore, tu vois. J'étais en béquille en plus à cet événement. Le mec il est passé, j'ai mis un petit pont. Et après, tous ses abonnés lui ont dit, ouais, t'as pris un petit pont dans ma vidéo. Même pas honte, je regardais même pas. Bon, ok, regarde. Là, moi je peux pas jouer au Pana parce que voilà, je suis blessé, c'est trop risqué pour moi. En plus, il parle des gens, ouais, qui trouvent des excuses, tout ça, etc. Wesh, dis t'as perdu, c'est bon, on passe à autre chose, frérot. Écoute, je peux pas jouer au Pana, mais je vais te mettre un petit pont. Bon, quoi qu'il arrive, je vais te mettre un petit pont. Regarde, ce que je te propose, c'est qu'on saute. Et quand on va atterrir. Ah, j'en ai marre. Dommage si vous avez pas vu, c'était magnifique. Je lui ai mis un petit pont. J'ai absolument rien vu. Bon, regardez les gars, on va sauter, on va arriver directement. Et là, je vais lui mettre un petit pont sur une play. Okay. Bon, on se retrouve pour cette deuxième partie de vidéo. Junior, okay. J'avoue que c'était bien débrouillé pour la partie freestyle. Maintenant, on va voir si tu vas pas prendre le bouillon sur la partie gaming. Ok, let's go. Donc là, regarde, aujourd'hui, mon jeu Street Fighter Football. Okay. Je connais le jeu de Street Football, il y a tous les modes du Street Football. Je l'ai fumé, vous avez pas vu. Je l'ai fumé, il a fait un 3 contre 3. Le premier match, c'est 5-3 pour moi. Deuxième match, il a voulu se rattraper, genre et tout. Mais j'ai quand même gagné 5-4. On va prendre le mode élimination et j'ai gagné d'un point. D'un point. Donc, du coup, voilà, moi je découvre le jeu, mais je le fume. Quoi. Moi, ce que je te dis, c'est directement, on va jouer au mode Pana. Un contre un dans direct. La cage, voilà, vas-y. Ok, vas-y. Un contre un dans la cage, tu marques les buts, tu gagnes. Mais si tu prends un Pana, c'est KO. Ah, c'est fini, genre. Non, pas dans celui-là, pas dans celui-là. Multijoueur, on est gentil, on va te laisser, ça a juste 2 points. Ah, ok, vas-y. Prends ton joueur, tu prends qui? Bon, moi, forcément, je vais. Tu prends toi? Moi, je vais me prendre. Eh, hey, je prends Andreas. Andreas, un jour, il m'a mis un de ses Pana. T'inquiète, Andreas, on va gagner, mon gars. Est-ce que t'es prêt? Parce que ça, c'est vraiment un mode pour les nerfs. Ça veut dire. Mais je gagne, hein? Mais je gagne. Regardez, je précise. Je suis dans son pays, je suis à Dubaï, je suis chez lui, je suis à son jeu. Ça joue. Ouais, je joue. Attends, nous la porte d'énergie. Ah, c'est ça là. Wesh, comment ça, wesh. Regarde, ce panneau en partie. Andreas. Attends, peu, proche, je vais. C'est quoi ça, wesh? Vas-y, on reprend, j'ai rien compris là. Ah, ouais, c'est comme ça, vas-y, tiens. Oh, je suis la merde. Allez! Ah mon gars, on est là ou on est pas là? Le gamin il a déclenché le Pana. Regardez, tu sais que c'est moi qui l'ai inventé celui-là? Ce Pana là, c'est en train de voir, c'était moi qui l'ai inventé. Tu vois, moi je suis un mec, je marque. Tu n'as pas canard? Moi je marque des buts. Moi, canard. Si on compte pas les petits ponts, les gris-rites, etc. Vrai foot, tu vois. 2-0. Oui. J'abuse là. Ah là. Ah, gros, j'ai capté le jeu. J'ai craqué le jeu. Dans la vie, les gens ne veulent pas m'attaquer. Même dans le jeu de vidéo, je te traumatise. Tu vois, ah, les carottes, pendant que tu parles. T'es débile, tu. Oh. 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 Mais des fins, tu sais. Il provoque en fait. Non. Oh, gamin. Et un peu de grand mot et boum. Lâche la manette. Lâche la manette. Ah, je t'ai tué. Bien joué. Donc là, on va refaire le mode Street Power. Le mode Street Power, c'est ni plus ni moins que le mode Street Football. 3 contre 3. Donc là, il n'y a pas de Pana. Je vous avoue que dans son Insta, il a mis une story où il m'a battu 2 fois. La vérité, je dis la vérité. On est à Dubaï là ou pas? On est à Copacabana. Il y a le mode. C'est où ça, Copacabana? C'est au Brésil. Allez, go, bonjour.
0. Et du coup là, y'a rien cette célébration là. Avec les survêtures manuel. T'es mais il parle plus. C'est quoi ce super pouvoir là? Allez, tu vas où là? Oh! Ah, des chouettes, c'est le premier arrêt à combien? 5. Il y a 2-0. Regarde, il tire. Regarde la fouine. Il veut tirer direct. Moi, je veux que marquer, moi. Tu me dis, c'est un mode football, bah tiens. Ouais, je commence, il marque pas. Parce qu'il faut cadrer, c'était un petit mode bannière. Une fleur. Ah! Ah, il faut driver pour avoir le surpouvoir. Attends, oh, il est bon. Allez, j'ai fait un RAK, ça s'appelle la RAK. Quelle interception. Lecture du jeu incroyable. Oh là là, quelle passe incroyable. Chacha. C'est la brésilienne ça. C'est Raquel. Tu vas aller. Oui. Super pouvoir. Tu vois, tu vas. Moi, je t'ai c'est de la triche, hein, mon gars. C'était pas dans la vraie vie, ça. Mais je t'ai dit qu'il y a des super pouvoirs. Tu connais le Mario Striker? Mais le super pouvoir, normalement, c'est super tir, super. Ouais, bah, ouais, j'espère. Mais c'est téléporté pour les cas. Moi, je suis tellement phare rapide, en vrai. C'est même pas un pouvoir, la vérité. C'est de la réalité, c'est ça? Mais bien sûr. C'est réaliste. Bien sûr. Tiens. 3-2. 3-2, on revient dans le match, calme. On fait taire les rumeurs. Jamais, t'inquiète. Va tricher. Pour m'intercepter le ballon, hop, 2 contre 1, hop, et petit tir, et le but. J'ai capté. Allez, hop. Allez, donne la balle. Non, on va pas te presser là, par la canette. Oui! Bien joué, Bencock. Bencock qui défend, c'est incroyable. Bencock! C'est chiant. Tu vas te téléporter encore? Non! L'erreur de ouf! 4-3, eh oui, ça se paye! Les erreurs, ça se paye cash! Discours du football basique. Ici, ça se paye cash! Non! Oh, la passe dans l'axe! Oh le lob! Oh! 4-4! Mal de match! Je fais des erreurs monumentales. Tu faisais le mec là tout à l'heure. Attends. Tu faisais le mec. Ouais, patati, banane, je sais pas quoi. Allez, boum! Regarde le coup de foulard. Oh, pied droit. Oh, c'est un gardien, le pied droit. J'ai rééduqué les juniors. PLS, miniature, regarde. Les gars, est-ce que vous voulez Junior TV dans le jeu vidéo? Ah, ce serait lourd, hein. Ah, dans le jeu, il va se vendre, hein. Junior TV, Unity. Ok, on va faire une équipe Unity. Restez connectés. Et ton mode préféré? Ton mode préféré? Mode préféré, le premier mode là, 3 contre 3 où tu t'es fumé là. Ah, parce que t'as gagné, c'est pour ça. Et il voulait pas dire le mode préféré parce qu'il a pris une humiliation pour les gars. Vous avez connu la vidéo? 5-4. Ouais, 5-4 sur le mode 3 contre 3. Non, pas Nakao, t'as pris que des KO. 10. Lui, il est malin, il explique rapidement les touches. Après, il joue. Bon, les gars, vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu. N'oubliez pas de mettre en commentaire quel autre guest qui vient à Dubaï. Je le défie. Merci, Junior, d'être venu, d'être passé et tout. C'était super bon de délire. Alors, bien sûr, à la prochaine séance. Bye.